Monsieur Van Dormael est le directeur général du réseau laitier canadien depuis sa création en 1995. De 2010 à 2012, il a agi à titre de chef de la direction de Hosting Canada et il a dirigé le développement et la mise en œuvre de nouveaux services visant à promouvoir le génotypage de génisses et de vaches. Pendant toute sa carrière de 29 ans, il a siégé comme membre du Conseil d'évaluation génétique et il a participé à l'attribution de fonds de l'industrie destinés à appuyer la recherche dans le domaine des évaluations génétiques de bovins laitiers. Monsieur Van Dormael. Merci, René. J'aimerais aussi remercier le comité d'organisation organisateur de cet symposium pour l'invitation et la chance encore de vous présenter ce sujet-là qui est un nouvel indice de sélection basé sur le profit que nous avons mis en place à partir du mois d'août 2015. Donc, au niveau des indices de sélection, l'indice de profit à vie, ou vraiment connu comme l'EPV, existe depuis 25 ans. Presque 25 ans, en 1991. Puis l'EPV existe pour tous les animaux dans la banque de données de CDN et chacune des sept races laitières. Donc, pourquoi développer un deuxième indice national lorsque nous avons eu l'EPV depuis longtemps? Pourquoi tout ça a commencé? En fait, cette mesure est découlée de la session de planification stratégique du conseil d'administration de CDN qui avait lieu en février 2014. À chaque quelques années, le Conseil fait une planification stratégique et finalement, c'est les partenaires de l'industrie qui nous ont demandé de regarder cette option-là. Donc, vraiment, c'est le pro-action ou pro-dollar, c'est vraiment une initiative de l'industrie et des producteurs et non pas des scientifiques. Normalement, un indice de sélection ou un indice génétique est un concept ou une idée lancée par les scientifiques et finalement consumée, on peut dire, ou vulgarisée par l'industrie auprès des producteurs laitiers. Ici, au niveau de la science de ProDollar, c'était le contraire. L'idée a commencé par les secteurs de l'industrie et a été développée par les scientifiques. Donc, le mandat que j'ai eu en tant que directeur général de CDN était d'étudier la possibilité d'élaborer un deuxième indice de sélection nationale, en plus de l'EPV, qui viserait à maximiser la rentabilité des troupeaux à l'intention des producteurs laitiers commerciaux. Donc, les producteurs qui pourraient trouver le pro-dollar utile sont les producteurs qui parlent en termes économiques et en termes dollars, qui se trouve d'être un groupe de producteurs laitiers beaucoup plus volumeux où la grande majorité des producteurs laitiers veut parler en termes économiques. Et aussi pour les producteurs qui tirent la plupart ou tout le revenu laitier de la vente du lait et non pas de la commercialisation de la génique, comme exemple ceux qui vendent des embryons d'exportation ou ceux qui vendent les taureaux dans les centres d'insémination ou font des génisses dans les grandes ventes de commercialisation. Mais en fait, ProDollar est fait pour 99% des producteurs laitiers. Et aussi pour les producteurs qui cherchent à minimiser le filtrage détaillé des listes de taureaux existants. Normalement, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'avec les PV, c'est qu'on a une liste des taureaux selon les PV, puis il y a beaucoup de filtrage qui se fait par la suite parce que les PV ne rencontrent pas nécessairement les besoins de tous les producteurs laitiers. Donc, la première partie, c'était d'évaluer la relation entre les PV et le profit réel des filles de taureaux. Donc, ici, on a un graphique qui démontre les PV du taureau ou du père et le profit moyen des filles jusqu'à réaliser, le vrai profit moyen réalisé jusqu'à l'âge de 6 ans des filles. On a une corrélation de 72 % ici. Donc, on démontre que les taureaux supérieurs en EPV vont produire les filles plus rentables
que les taureaux moins élevés en EPV. Donc, vraiment, l'EPV est vraiment nettement relié à la rentabilité, avec une corrélation de 72 %, mais est-ce que la précision de la prédiction pourrait-elle être augmentée? Donc, nous avons utilisé les données de profit canadiennes actuelles calculées par les agences de contrôle laitier, soit Valacta et Canwest DHI en Ontario. Donc, nous avons commencé en regardant le rapport de rentabilité qui est fourni à chaque client du contrôle laitier, incluant deux rapports. Un rapport qui est le profit à vie par vache, qui indique vraiment le profit réalisé par chacune des vaches dans le troupeau, et le sommaire de troupeau qui regroupe les vaches selon le nombre de lactations, première lactation, deuxième, troisième, etc. La formule de profit utilisée est une formule bâtie par les agents de contrôle laitier et qui considère certains revenus. Donc, c'est vraiment les revenus associés avec le chèque du paye du lait. Donc, on a payé selon le nombre de kilos de gras, le nombre de kilos de protéines, les kilos d'autres solides dans le lait, et aussi une déduction pour le fluide en tant que coût de transport ou d'autres déductions qui peuvent être considérées, qui sont en général en fonction des kilos de lait produit. Dans la formule de profit, il faut avoir des dépenses aussi. Donc, les premières dépenses, c'est des coûts d'élevage d'une génisse, qui est en fonction du nombre de jours d'élevage jusqu'au premier valage. Donc, le nombre de jours entre la naissance d'une génisse jusqu'à l'âge de premier valage. Donc, ça coûte quelque chose à chaque jour, et la génisse ou l'animal ne commence pas à payer ses dettes avant le premier valage. Après valage, il y a d'autres coûts pour les vaches en lactation ou les vaches terries. Le premier coût, c'est le coût d'entretien. Donc, à chaque jour de vie d'un animal, il y a un coût d'entretien pour maintenir le corps ou l'animal comme tel, juste ses besoins propres du corps. Il y a aussi des coûts indirects associés avec l'entreprise laitière ou les coûts d'une entreprise laitière en général. Et ces coûts indirects peuvent varier si une vache est en lactation ou si c'est une vache terrie. Les coûts d'alimentation, d'entretien aussi varient beaucoup, donc selon une vache qui est en lactation versus une vache qui est terrie. Mais les coûts peuvent varier selon le nombre de jours en lactation ou le nombre de jours terrie. Un autre élément, c'est les coûts d'alimentation marginaux. Donc, une vache qui produit plus de lait ou plus de kilos de gras, plus de kilos de protéines, va avoir un coût marginaux d'alimentation plus élevé parce qu'une vache qui produit plus va manger plus. Donc, on a calculé les dépenses selon les coûts d'alimentation marginaux en fonction du kilo de gras que la vache a produit durant la lactation et aussi les kilos de protéines. Donc, il y a un coût associé avec chacun des parties dans ce sens-là. Il y a aussi un coût d'opportunité du quota basé sur les kilos de gras. Le fait que nous avons un système de gestion d'offres au Canada, il faut qu'on investisse dans un système de quota et que cet argent-là amène un coût d'opportunité associé avec chaque kilo de gras. Juste pour vous dire que ici, la formule de profit a été développée par les experts associés avec le contrôle laitier, soit Valacta et Canwest DHI, et une source importante de l'information pour bâtir ces coûts-là et ces dépenses est la banque de données d'Agritel au Québec. Ici, c'est un exemple d'un rapport de rentabilité par vache. Qui est fourni par Valacta et Canwest DHI. Ici, on peut voir, c'est un exemple tout simple, mais ici, c'est le groupe des premiers valages, où les vaches les couchent jusqu'au premier valage. On a l'âge au premier valage et le coût accumulé pour le coût d'élevage de l'animal. Évidemment, tous ces coûts-là sont des coûts, donc le profit est négatif.
Rendu après le premier vêlage, on a un coût moyen dans ce troupeau-là, après le premier vêlage, de 800 $ de profit. Et après ça, les vaches en deuxième lactation ont commencé. Et pour ces 8 vaches-là, d'exemple, là, le coût a augmenté, ou le profit moyen, c'est aux alentours de 2000. Et le rapport vous fournit, au niveau de chaque vache, le profit accumulé jusqu'au chaque vêlage, soit premier vêlage, deuxième vêlage, troisième et quatrième vêlage. Et à la fin, pour les vaches qui ont cinquième vêlage et plus, il vous offre aussi un coût à vie, jusqu'à la vie de l'animal après le quatrième vêlage ou à partir de la cinquième vêlage. Et ce coût à vie aussi est calculé selon un autre calcul qui est le profit par jour de vache aussi. Donc, nous avons commencé avec ces données-là du contrôle laitier, mais en regardant ça un peu plus près, nous avons décidé de changer notre définition du profit pour calculer pro dollar. On fait ça on utilise maintenant le profit accumulé jusqu'à l'âge de 6 ans. Parce que si on fait le calcul jusqu'au chaque vêlage, comme au troisième vêlage ou au quatrième vêlage, on peut regarder ici la distribution de l'âge au troisième ou quatrième vêlage. Au quatrième vêlage, il y a des vaches âgées en bas de 5 ans, rendues au quatrième vêlage, puis d'autres vaches que ça prend jusqu'à l'âge de 7 ans avant de vêler pour la quatrième fois. Donc, une définition selon le nombre de vêlages, comme quatrième vêlage, donne un âge très varié et une opportunité d'accumuler le profit qui varie d'un animal à l'autre. Ainsi qu'en sélectionnant un âge fixe, on peut accumuler le profit jusqu'à un âge fixe. Nous avons choisi l'âge de 6 ans pour refléter la possibilité de faire le profit ou des dépenses pendant plusieurs lactations, troisième, première, deuxième, troisième et même quatrième lactation. Donc, la donnée que j'ai utilisée pour faire l'analyse du ProDollar, c'est j'ai inclus les vaches nées en janvier 2005 jusqu'à septembre 2008 pour permettre à chaque vache d'atteindre l'âge de 6 ans. Donc, il faut donner la chance pour chaque vache d'atteindre cet âge-là pour bien connaître le profit accumulé jusqu'à 6 ans. J'avais presque 700 000 vaches Holstein dans mon étude. Pour les étapes, j'ai calculé le profit accumulé pour chaque vache, accumulé jusqu'à l'âge de 6 ans. Et après ça, j'ai calculé le profit moyen pour chaque taureau basé sur le nombre de filles qu'il avait dans le dandin. Après ça, j'ai identifié un groupe de 830 taureaux Holstein qui avaient au moins 100 filles dans la moyenne, le calcul de moyenne de profit des filles pour le taureau. Donc, je voulais avoir vraiment un bon indicateur du profit réalisé pour chaque taureau. Et avec 830 taureaux, j'avais un nombre de taureaux suffisant pour faire cette analyse très, très, très importante. Après ça, je voulais déterminer la combinaison de caractères qui prédit le plus précisément les résultats du profit moyen par fille. Donc, imaginez les 830 taureaux en chacun des preuves pour chacun des caractères, le lait, le gras, la protéine, la fertilité des filles, etc. Et on a finalement le profit accumulé réel des filles en moyenne pour chaque taureau. Donc, on peut faire une analyse de prédiction. Ici, je présente les modèles de régression utilisés pour le calcul. Puis, le R au carré ajusté, c'est le coefficient de détermination ajusté. Si tu multiplies ces chiffres-là fois 100, on peut dire comme le 62% de précision. Donc, c'est une indication du niveau de précision, de prédiction que la formule de régression me donne. Donc, j'ai commencé avec 14 caractères évalués seulement pour prédire le profit moyen des filles. Et j'ai exclu la durée de vie et la conformation. J'ai exclu ces deux caractères-là parce que ces caractères sont en fait un caractère qui combine d'informations de plusieurs autres caractères. La durée de vie et la longévité. La longévité est affectée par plusieurs caractères
la conformation fonctionnelle, la production lactaire et aussi des caractères fonctionnels, la fertilité, comptage de cellules somatiques. Donc, dans un sens, la durée de vie est un indice global au lieu d'un caractère spécifique. La même chose existe pour la conformation qui reflète une combinaison de plusieurs caractères de la conformation. Donc, j'ai essayé plusieurs étapes de régression et finalement, je suis arrivé avec la formule de Prodalar qui donne un niveau de précision de 72 % qui inclut en fait les 14 caractères plus la durée de vie. Donc, j'ai ajouté la durée de vie comme caractère pour expliquer la variance non expliquée déjà par les 14 autres caractères. Donc, c'est une deuxième étape de régression. Les détails techniques du calcul et tous les résultats du ProDollar sont dans le cahier, le rapport, le document dans le cahier. J'ai décidé aujourd'hui de présenter l'information dans un sens, plus dans le sens de vulgarisation au lieu d'un sens technique. Donc, finalement, lorsqu'on regarde ProDollar, la formule réelle appliquée aux épreuves de mois d'août, ici en bas, on a le ProDollar du taureau, d'une taureau, et en fait, le profit réel accumulé de ces filles jusqu'à l'âge de 6 ans. Maintenant, nous avons atteint une corrélation de 79 % au lieu de 72 %. Donc, on peut voir que ProDollar est plus associé avec la rentabilité des filles que les PV. Donc, comment interpréter les valeurs ProDollar? Ils sont exprimés comme l'écart du profit moyen des filles d'un animal par rapport au profit moyen national des vaches. Donc, on a décidé d'exprimer les épreuves avec une épreuve moyenne d'environ zéro et un écart positif et négatif. Donc, les valeurs ProDollar peuvent être positives ou négatives. Ici, c'est deux taureaux. Un taureau avec un ProDollar de 100, de 1000, puis l'autre avec un ProDollar de moins 500. Donc, finalement, le taureau à 1000 va engendrer les filles avec un profit moyen de 1000 $ de plus jusqu'à 6 ans que les filles d'un taureau moyen à zéro pour ProDollar. Le taureau à moins 500 va produire des filles en moyenne qui ont un profit moyen des filles de 500 $ de moins que le taureau à zéro. C'est un concept très simple. Mais lorsqu'on veut comparer les deux taureaux, on peut dire qu'en moyenne, la rentabilité de chaque fille du taureau bleu sera de 1 500 $ plus élevée jusqu'à l'âge de 6 ans que celle des filles du taureau violet. Donc, il faut comparer les ProDollar pour bien comprendre l'écart de profit à réaliser au niveau des filles. Le même principe existe pour les vaches lorsqu'on veut comparer les valeurs ProDollar pour les vaches. Une vache à 750 ProDollar versus une autre à 250, l'écart est 500, donc c'est très simple. On s'attend que les filles de ces deux vaches-là, A et B, vont avoir un écart de profit de 500. Par contre, lorsqu'on regarde les valeurs ProDollar au niveau des génisses nouveau-nés, il faut considérer quelque chose d'un peu différent, parce que c'est une génisse et les valeurs ProDollar sont exprimées en termes de profit à réaliser en tant que vache. Donc, deux génisses A et B qui ont un écart de 500 $, soit de 1500 versus 1000, l'écart de 500, il faut doubler ça pour prédire l'écart de profit prévu entre ces deux femelles-là en tant que vache adulte. C'est juste une question de doubler parce qu'on parle de la valeur potentielle de l'animal versus le potentiel que l'animal exprime cette valeur-là. Donc, en fait, les épreuves de taureaux, ProDollar et les vaches, elles sont tous au niveau de la valeur que l'animal va transmettre à sa progéniture. Mais lorsqu'on a un jeune génisse, ça ne nous intéresse pas de parler de qu'est-ce qu'elle va transmettre, c'est plutôt de l'intérêt de qu'est-ce qu'elle va faire en tant que vache. Donc, comment comparer ProDollar et les PV? Au mois d'août, nous avons changé la formule des PV aussi. Puis, un des changements aussi, c'était le nom de les PV. Au lieu de l'indice de profit à vie, nous avons changé le nom simple pour l'indice de performance à vie. C'est un changement très simple. On garde
l'acronyme, les lettres EPV dans toute manière, mais c'était vraiment pour réduire la confusion ou peut-être éliminer une confusion potentielle si on a deux indices de sélection nationale puis tous les deux contiennent le mot profit. Donc, l'EPV est associé avec le profit réalisé des filles, mais ProDollar, c'est un meilleur indicateur avec une corrélation plus élevée du profit à réaliser des filles. Donc, la formule de l'EPV a changé aussi en termes de répartition. Maintenant, nous avons 40 % sur la partie production, anciennement 51 %. La durabilité représente 40 %. Anciennement, c'était 34 %. Et santé et fertilité, c'est maintenant 20 % et anciennement, c'était 15 %. Donc, lorsqu'on regarde le poids de l'EPV versus réponse, là, ici en haut, je vous présente les caractères inclus dans la formule de calcul de l'EPV. Tout le monde a accès facile sur le site web de CDN sur la formule exacte pour calculer l'EPV. Lorsqu'on regarde les caractères, on a ces 8 caractères-là dans le calcul actuel de l'EPV. Et ici, ça vous présente la pondération qu'on met sur chacun des caractères, soit 24 % sur la protéine, 13 % sur la fertilité des filles, 16 % sur le système mammaire, etc. Une chose importante, c'est qu'on n'a aucune pondération sur le volume de lait. On n'a aucune pondération sur la conformation comme telle, ni sur la croupe ou d'autres caractères fonctionnels. C'est ces 8 caractères dans la formule avec une certaine pondération telle que présentée ici. On appelle ça les poids relatifs ou l'emphase dans la formule. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de voir la réponse attendue en sélectionnant pour l'EPV. Ici en bas, puis c'est des chiffres relatifs, là, vous n'avez pas besoin, c'est un peu technique de comprendre c'est quoi un 78 versus un 60 versus un 51. Mais vous pouvez voir par les histogrammes, le graphique, ce qu'on attend une réponse par caractère qui varie d'un caractère à l'autre si on sélectionne à 100 % pour l'EPV. En général, on atteint une réponse positive pour chacun des caractères. La seule exception, c'est la vitesse de traite. Et avec on s'attend pas nécessairement de faire beaucoup de progrès génétique pour la vitesse de traite. Mais pour le caractère de conformation, on peut voir qu'en conformation, on atteint une réponse de sélection de 0.66 qui est même plus forte que la réponse sur le système mammaire, pieds et membres, et puissance laitière et la croupe. Même si la conformation n'a aucune pondération dans la formule de l'EPV. Donc, c'est un peu confusé, ça apporte une certaine confusion lorsqu'on peut s'attendre à avoir une sélection pour un caractère qui n'est pas directement dans la formule de l'EPV. Et pourquoi ça existe? C'est parce que tous ces caractères de sélection d'aujourd'hui, ou évalués aujourd'hui, ont une corrélation génétique entre eux. Lorsque vous sélectionnez pour un caractère comme le système mammaire, le fait que le système mammaire a une corrélation génétique forte élevée avec la conformation, lorsqu'on sélectionne pour un ou lorsqu'on met de l'emphase sur ce caractère-là dans la formule de l'EPV, indirectement, on sélectionne aussi pour la conformation et on sélectionne aussi pour les autres caractères qui ont une corrélation positive. Donc, en haut à gauche, vous pouvez voir 3 corrélations positives entre les rendements du lait avec le lait gras et protéines, de 46 % 81 % et 64 % Et en bas à droite, vous avez les corrélations en le caractère de conformation. Les corrélations en rouge et rose sont les corrélations non favorables, en général négatives d'abord. Ceux qui sont en blanc sont des corrélations qui varient de moins 10 % jusqu'à plus 10 % Moi, je constate que ces corrélations ne sont pas significatives, que ne sont pas importantes en tant que sélection génétique. Mais ça veut dire qu'il faut comprendre que ces corrélations affectent les résultats de sélection lorsqu'on sélectionne pour un caractère
Et un exemple, c'est les corrélations rouges en haut au centre pour la fertilité des filles et le code de conduction de chair qui ont tous une corrélation négative avec les rendements de lait, gras et protéines. Donc, on sait bien, lorsqu'on sélectionne pour la production, on va sélectionner contrairement avec... on sélectionne... on a un effet négatif pour la fertilité des filles et qu'il faut que ces deux caractères-là sont directement dans la formule pour contrebalancer cette négative corrélation, les corrélations négatives. Donc, les leçons apprises, c'est que le poids relatif dans une formule d'indice de sélection sont moins importants que prévu, puis même ça apporte la confusion. Donc, au niveau de ProDollar, la réponse, la vulgarisation est axée sur la réponse étendue par caractère au lieu de l'indice comme tel et la formule en arrière. Donc, CDN a décidé de ne pas publier la formule, les détails de formule, puisque le concept de poids de relatif n'est pas applicable, parce que nous avons utilisé une formule de régression et les coefficients de régression ne sont pas les mêmes choses qu'un poids relatif. Et l'échelle est spécifique à chaque race, donc on peut ajuster. Lorsqu'on veut comparer les PV versus ProDollar, ici, on voit qu'en bleu, c'est la réponse attendue pour ProDollar, pour le caractère versus les PV. À droite, on a les corrélations pour les caractères pour lesquels ProDollar est maximisé, ou la sélection pour ProDollar est maximisée, ou les caractères est maximisé par la sélection pour ProDollar, excusez-moi, pour le lait, le code de condition de serre, protéines, traitement de traite, tempérament de traite, comptage de cellules somatiques, etc. À gauche, c'est les caractères qui sont maximisés, la réponse est maximisée si on sélectionne pour les PV. Ça veut dire que c'est la pièce et membres, puissance laitière, conformation, système mammaire et le différentiel de gras et protéines. Donc, lorsqu'on veut comparer les PV et ProDollar, le ProDollar est une analyse de données de profit du contrôle laitier et non pas une formule de poids relatif. On tient compte des corrélations génétiques dans ProDollar, mais pas dans les PV. La formule est publiée pour les PV, mais pas pour le ProDollar. On exprime ProDollar en dollars canadiens, mais en EPV, c'est juste tout simplement les points d'écart. L'indice moyen en EPV, c'est 1821, mais en ProDollar, c'est zéro, donc on peut avoir les valeurs négatives et positives. L'accent sur la conformation est plus élevé avec EPV, mais pour la santé, fertilité et la production, c'est ProDollar qui donne un meilleur accent sur ces caractères. Lorsqu'on regarde la liste des taureaux Holstein éprouvés selon ProDollar au mois d'août, on voit la liste ici au centre, les 15 meilleurs. Et à gauche, à l'EPV, on voit qu'il y en a 6 qui ne sont pas en commun avec la liste des 15 meilleurs. Donc, 9 en commun avec les 15 meilleurs pour ProDollar. Donc, ça donne une corrélation pour la race Holstein d'environ 96%, excusez-moi. ProDollar est aussi disponible dans la race Jersey parce que Holstein Canada et Jersey Canada ont appuyé l'introduction de ProDollar. Mais les autres races ont décidé de modifier la formule DPV directement en fonction des résultats de recherche de ProDollar. Donc, les autres races n'ont pas de ProDollar, mais l'EPV reflète exactement à peu près la même chose que si ProDollar a été introduit dans ces races-là. Pour la race Jersey, la liste ici, les 15 meilleurs au mois d'août, est disponible sur l'écran. La corrélation dans la race Jersey entre ProDollar et l'EPV est moins élevée, à 92,5%, et ça veut dire qu'il y a plus de taureaux, plus de changements dans les 15 meilleurs. Ici, on se trouve d'avoir juste 7 taureaux en commun versus les 9 dans les 15 meilleurs des deux listes versus 9 dans la race Holstein. Lorsqu'on veut exprimer ou interpréter les épreuves de l'EPV en termes de profit, surtout pour les autres races, on peut aussi expliquer que chaque point d'écart en deux taureaux de l'EPV, donc un taureau à 2000 versus un autre taureau à 1900, cet écart de 100 points d'EPV équivaut
à un 150 $ de plus de profit par fille dans la race Ayrshire pour les filles jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, on peut dire que chaque fille d'un taureau avec 100 points de plus de l'EPV va engendrer plus de profit à la ferme. Nous avons aussi lancé un nouveau app ou application mobile qui s'appelle CDN Mobile au mois de septembre. Et vous pouvez accéder à cette CDN Mobile sur le site web de CDN, cdn.ca. En cliquant sur les deux places, soit CDN mobile en haut à droite ou en bas à gauche sur le menu principal, qui vous donne un document d'explication de comment utiliser l'application aussi. Avec CDN mobile, on vous offre le choix de faire la recherche de taureaux ou générer les listes de taureaux. C'est un logiciel, c'est une app qui est gratuite, qui ne coûte rien. Vous pouvez créer un écran sur votre iPhone ou n'importe quel ou Android et vous pouvez commencer à faire la sélection des taureaux et la recherche des taureaux très rapidement en ayant un accès au Wi-Fi ou Internet. D'autres vidéos de conférences sont disponibles sur le site du CRAAC.